uns wurde von sogenannten Linken entgegengeschleudert, dass wir im Kampf für den Bruch mit der EU das Recht der britischen Arbeiter, was das Recht der britischen Arbeiter ist, den Befürwortern des Brexit in der Londoner City und einer ganzen Fraktion der britischen Bourgeoisie eine Abdeckung geben würden, dass wir die Arbeiterklasse von ihrem Kampf gegen Cameron ablenken würden, etc. Also, Kolleginnen und Kollegen, helfen wir dabei, dass die britische Arbeiterbewegung in der Abstimmung am 23. Juni einen Sieg erringen kann. Das würde zweifellos eine neue Perspektive eröffnen, eine Perspektive der Befreiung Europas von den Diktaten der Schuldenbremse und der antisozialen Politik der Zerstörung der Renten, der Bildung, des Gesundheitswesens etc., der Senkung der Kosten der Arbeit durch Lohndiktate, Tarifflucht und Zertrümmerung der Arbeitsgesetzbücher. Eine Perspektive im Interesse der Arbeiter und der Jugend auf dem gesamten Kontinent im Rahmen eines Europas der freien Völker und ihrer freien Kooperation im vollen Respekt vor der Souveränität der Nation. First of all, I would like to pay tribute to the French workers who are conducting a magnificent strike movement at the moment. It's an inspiration to absolutely everybody across Europe. We really didn't know that so many people across France and Europe supported Britain leaving the European Union. We, in the RMT, are a union of 80,000 workers that cover train workers, tube workers, bus workers, and seafarers. We're for a people's Europe and a people's world, a socialist Europe and a socialist world. Of course, in Britain, Thatcher and the Conservatives, and after that, the Labour government, brought about privatisation. But what the European Fourth Rail Package does, it institutionalizes privatization. Even if we had a left-wing government elected in Britain tomorrow, if Jeremy Corbyn was Prime Minister, he could not renationalize the railways fully and stay in the European Union. I would like to end this by saying this year is a historic year for me as an Irishman. 100 years ago, a couple of thousand Irish people rose up in 1916 and shook the chains of the British Empire. It's my fervent hope that in 2016, the peoples of France, the peoples of Germany, the peoples of Spain, all the peoples of Europe will rise up against the dictatorship of the European Union. Viva la Troubadour! Yeah. Pas de lumière, ils ont décidé de reconduire la grève pour une semaine et j'ai assisté à l'Assemblée Générale du Personnel. Ni amendable, ni négociable, un seul mot d'ordre, retrait. L'article 49.3 ne peut se substituer à la vie de 66 millions de Français. Ce qui m'a frappé, c'est l'unité d'action réalisée entre la CGT et Force ouvrière. Et les secrétaires généraux des UD sont venus les saluer et apporter leur soutien. À chaque AG, 17 mai, 20 mai, 23 mai, 27 mai, chaque fois la grève a été majoritaire et quasi unanime chez les salariés postés. Malgré la présence de la direction, malgré le 27 mai, les tracts distribués par la CFDT et la CGC contre la grève. Et les grévistes se remémorent 2010, dans la grève contre la réforme des retraites, où ils avaient reçu moult délégations venant leur apporter du soutien financier pour leur permettre de tenir. Mais aujourd'hui, beaucoup de salariés de Grand Puy disent « Le soutien, c'est bien, mais il ne faut pas faire la grève par procuration ». Camarades, ils ont raison. Le meilleur soutien à la grève des travailleurs des raffineries, c'est la grève ailleurs. Le meilleur soutien, c'est les cheminots en grève. Le meilleur soutien, c'est la grève qui se réalise en ce moment à Nemours, dans le sud du département,
dans les entreprises du verre à l'initiative de la CGT, à l'hôpital de cette même ville à l'initiative de la CGT et de Force ouvrière. Oui, le meilleur soutien, camarades, c'est la grève jusqu'au retrait. Les salariés de tout le pays sont appelés à la grève nationale interprofessionnelle et à la manifestation nationale pour le retrait le 14 juin. Il faut le dire clairement, si le gouvernement refuse d'entendre les grévistes et les manifestants, alors c'est la grève jusqu'au retrait qu'il faut. C'est cette position qu'a prise l'Union départementale de mon syndicat. Camarades, les syndicats CGT et FO de la raffinerie de Grandpuy terminent l'un de leurs tracts par ces mots. Nous sommes le peuple. Alors pour que la parole du peuple soit entendue par ce gouvernement minoritaire, il faut la grève jusqu'au retrait, comme la parole du peuple britannique doit être entendue, le oui doit l'emporter. Merci camarades. Είμαστε εμείς που στην Ελλάδα, μόλις πριν από 10 μήνες, είπαμε όχι στο δικό μας δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα με 61,5% έδωσε μια ηχηρή απάντηση στο Juncker, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Βουνουτού. Αυτό το όχι της νεολαίας και των λαϊκών στρωμάτων, ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του, το μετέτρεψαν σε ναι. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι η δική σας μάχη μπορεί να ανοίξει μια πληγή σε αυτό το εργαλείο του υπεριαλισμού. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα μας βοηθήσει και θα βοηθήσει όλους τους λαούς της Ευρώπης για να χτίσουμε μια ενωμένη Ευρώπη των λαών και των εργαζομένων. Τελειώνοντας όμως, θα ήθελα να σας πω ενδεικτικά λίγο ποια είναι τα αποτελέσματα των τριών μνημονίων από το 2009 μέχρι και σήμερα. Οι επενδύσεις στη χώρα μας από 49,6 δις ευρώ έφτασαν στα 10 δις. Η ανεργία αυξήθηκε δραματικά από το 9% στο 26,6%. Έκλεισαν 80.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αύξηση φόρων έχει ξεπεράσει το 180% ανανοικοκυριών και πάνω από 10.000 αυτοκτονίες λόγω της κρίσης. Γι' αυτό θέλουμε την ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Le 9 mars, nous étions des centaines de milliers dans les rues de toute la France, jeunes et travailleurs, tous unis. Et tous unis pour exiger le retrait de la loi El Khomri. Mais force est de constater que depuis trois mois, cette volonté puissante de millions de travailleurs et des jeunes est confrontée à des obstacles. En France, un gouvernement qui ose se dire de gauche nous gaze et nous matraque pour l'unique raison que nous exerçons notre droit de faire grève et de manifester. Il y a quelques jours, des lycéens, membres de Jeunesse Révolution, nous posaient la question « Dans quel cortège allons-nous manifester ?» Manifester dans le cortège des organisations de jeunes. Des organisations dont les dirigeants ont, dès le 11 avril, expliqué que le gouvernement était en train de reculer, qu'ils avaient obtenu on ne sait quoi, alors que le mandat de centaines de milliers de jeunes, c'est le retrait, un point, c'est tout. Manifester dans le cortège dit autonome, un cortège dont ceux qui l'animent prétendent que la jeunesse pourrait combattre ce gouvernement sans l'unité avec les travailleurs et leurs organisations syndicales. Je le répète, le 9 mars, ces questions ne se posaient pas parce que nous étions des centaines de millions dans la rue, unis, jeunes, travailleurs, organisations syndicales, avec un seul mot d'ordre, maintenant, tout de suite, retrait de la loi El Khomri. L'Europe, monsieur Juncker, ce n'est pas votre prison des peuples qui nous impose la loi El Khomri en France et nous matraque quand on manifeste. L'Europe, monsieur Juncker, ce n'est pas votre Union européenne policière qui expulse les réfugiés qui fuient vos guerres en Syrie et en Afghanistan. L'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. Nein, das Beispiel der Eisenbahn zeigt uns im vierten Eisenbahnpaket, dass über die EU-Kommission und das Parlament der EU koordinierten und von den Regierungen durchgeführten neuerlichen und vertiefenden Angriffe auf die staatliche Eisenbahn und uns Beschäftigte in Europa sich gegenwärtig in diesem Paket konzentrieren, dass die Liberalisierung der Märkte umfassen und den Wettbewerb bei öffentlichen Auftragsvergaben in der EU beleben soll. Gefordert wird die Novellierung nationaler Vorschriften im Interesse der Hersteller und Eisenbahnunternehmen, die so massiver als bisher grenzüberschreitende Verkehrsdienste aufnehmen sollen. Der Marktpfeiler führt dazu, dass ab 2020 alle Eisenbahnunternehmen in der EU
ihre Dienste anbieten können. Die Zerschlagung der staatlichen Eisenbahn ist faktisch beschlossen. Sie wird von über die neu zu fassende Regelung zur Vergabe öffentlicher Aufträge verpflichtet und durch die vertiefte Trennung von Verkehr und Netz, was eine verschärfte Privatisierung bedeutet, in einem verkehrspolitischen GAU wie damals in England sich niederschlagen. Keine Frage, Eisenbahner brauchen einen europaweit abgestimmten gemeinsamen Kampf zur Verteidigung und Rückeroberung der staatlichen Eisenbahn mit allen gesetzlichen und tarifvertraglichen Garantien, und auch dafür werden wir gemeinsam kämpfen. Ich bin im Nationalen Vorstand der Arbeiterkommission der SPD AFA. Unsere nationale Konferenz hat im April eine Kampagne gegen prekäre Arbeit und für vollständige Reintegration aller tarifvertragslosen Arbeiter in den Flächentarifvertrag beschlossen. Notre réglementation ne sera donc plus la même pour l'ensemble des cheminots du service public, mais négociée entreprise par entreprise, détruisant ainsi ce qui unifie encore les cheminots de la Société nationale des chemins de fer français. Aujourd'hui, poser la question de l'abrogation de la réforme ferroviaire, c'est poser la question du retour au service public et donc au statut pour tous les cheminots. La revendication qui s'impose est la retranscription de l'intégralité du RA 077 dans le décret socle pour les cheminots du public comme du privé, premier pas vers le retour au monopole public. Mais cela n'est pas si simple. De la même manière que certaines organisations syndicales étaient pour la réforme et d'autres contre, certaines sont pour la transposition du RA 077 dans le décret, d'autres dans la CCN, d'autres au niveau des accords d'entreprise et d'autres pour une CCN de haut niveau. À l'heure où je vous parle, toutes les organisations syndicales appellent à la grève reconductible à partir du 31 mai. Mais là encore, les mots d'ordre avancés sont différents. Cela crée une situation complexe chez les cheminots, mais on sent une profonde volonté de combattre. Le débat est intense sur les mots d'ordre et sur les modalités. Mais on voit dans certains endroits, comme par exemple à Paris-Est, l'unité pour aller à la grève se fait, et sur un seul mot d'ordre, le décret doit être le RA 077. Notre groupement de cheminots s'inscrit dans cette recherche sur le terrain de la lutte de classe. À la différence de ceux qui nous disent qu'on ne peut pas faire autrement, à la différence de ceux qui nous disent qu'il faut accompagner les réformes et que l'ouverture à la concurrence est inévitable, les cheminots répondent « renationalisation, retour au statut, retour au monopole public ». C'est là le mouvement concret qui, demain, abolira l'Union européenne. In questi giorni Renzi ha dichiarato che dopo il grande sciopero degli insegnanti di un anno fa era sul punto di cadere. Dunque, se la mobilitazione fosse proseguita senza controproposte fino al ritiro a tempo indeterminato, allora si poteva vincere. Dunque si può vincere. Io lo dico chiaramente, hanno paura, come per la Brexit, come per tutte le lotte, come per la Francia oggi. Se si riesce a vincere una volta, tutto è rimesso in causa e una prospettiva pare per tutti i popoli d'Europa. Un appel vous a été distribué. Il s'agit d'un appel de militants de toutes tendances dont je suis signataire. Il s'agit d'une proposition de conférence ouvrière nationale pour la rupture avec la Ve République, avec l'Union européenne et pour une assemblée constituante souveraine. Au-delà du mouvement en cours, se pose évidemment un problème: quelle issue politique? Pour ma part, je me suis inscrite au PG en 2011. Je suis actuellement non encartée. Je suis amenée à considérer que la prise de pouvoir pour un réel changement ne se fera pas par les urnes. Pour que cette prise de pouvoir puisse déboucher sur autre chose que la misère que les gouvernants nous réservent, il faudrait une révolution initiée et gagnée par la classe ouvrière pour nous libérer du carcan de ces institutions. Valls et Hollande ne décident de rien. Ils ne sont que les laquais de la Commission européenne qui, déjà en juillet 2015, quand elle imposait le paiement de la dette à la Grèce, projetait dans le même temps d'exiger de la France une réforme de la législation du travail. Je pense que c'est la question du pouvoir qu'il faut se poser et de la rupture avec la Ve République et l'Union européenne comme préalable. Soutien à la lutte anglaise pour le Brexit.
Alors ce mardi qui vient de se passer, il y a eu une grande manifestation à Bruxelles, une manifestation nationale appelée par tous les syndicats qui a réuni 80 000 travailleurs. L'objectif était de protester contre le projet du gouvernement d'annualiser le temps de travail. La question qui se posait, c'est dans les esprits de tous les manifestants, de tous les travailleurs, c'est comment est-ce qu'on pouvait passer de la grève des prisons à la grève générale contre le gouvernement pour empêcher le vote de cette loi d'annualisation du temps de travail qu'on a vite appelé la loi travail pour faire le parallèle avec la situation en France. Alors il y a eu deux réponses à cette question. La première réponse est venue des cheminots qui sont partis en grève illimitée le lendemain de la manifestation. Et il y a eu un congrès de la centrale des services publics wallonne de la FGTB qui s'est prononcé. Tous les affiliés sont appelés à faire grève le mardi 31 et à poursuivre le mouvement jusqu'à la chute du gouvernement. Solidarité alors avec la résistance des travailleurs français contre les attaques de l'UE. Les représentants de Goldman Sachs et toutes les banques mondiales basées dans la cité de Londres. Le directeur général du FMI, Madame Lagarde. Le président Obama et les dirigeants des principaux pouvoirs impérialistes du monde et de l'Europe et du Canada. Le secrétaire général de l'OTAN et le gouverneur de la Banque d'Angleterre sont tous unis pour menacer les électeurs en Grande-Bretagne en affirmant que le vote pour sortir de l'UE amènerait à la guerre, à une récession économique, à une vie de misère. L'ironie, c'est qu'il s'agit là précisément des résultats de leur politique. Et ce qui est honteux, c'est qu'en Grande-Bretagne, exactement comme en France, lors de votre référendum sur la Constitution européenne en 2005, les dirigeants socialistes et syndicaux, dans leur grande majorité, ont rejoint cette campagne de tromperie en disant aux syndicalistes et aux travailleurs que nos intérêts se trouvent dans le vote pour rester dans l'UE. Un vote pour sortir de l'UE est un acte internationaliste de solidarité avec les peuples opprimés et les travailleurs, non seulement en Europe, mais à travers le monde. Un vote pour sortir de l'UE est la méthode la plus rapide pour se débarrasser du gouvernement d'austérité de David Cameron. Une victoire de la classe ouvrière française contre le gouvernement Hollande-Valls et rejetant la loi El Khomri sera un signal aux électeurs en Grande-Bretagne le 23 juin que les travailleurs ne peuvent protéger leurs intérêts qu'en rejetant l'UE. Un vote pour sortir de l'UE en Grande-Bretagne le 23 juin déclenchera une crise politique de l'Union européenne qui renforcera les travailleurs français et affaiblira les élites dirigeants qui attaquent les droits des travailleurs de votre pays et du nôtre. Le conflit est maintenant ouvert. Il est impossible pour un gouvernement qui accepte de se soumettre aux institutions de l'Union européenne et aux institutions de la Ve République, il est impossible pour un tel gouvernement, quel qu'il soit, de faire autre chose que de remettre en cause les conquêtes ouvrières. Il est impossible pour un tel gouvernement de gouverner pour le peuple et de respecter la démocratie. Celui qui a peur de remettre en cause l'Union européenne, celui qui a peur de remettre en cause ses institutions, celui qui craint de remettre en cause la sacro-sainte Banque Centrale Européenne, les sacro-saints traités, la sacro-sainte Commission de Bruxelles, celui qui a peur de déroger au diktat de la sacro-sainte Confédération Européenne des Syndicats, alors celui-là s'interdit par avance la possibilité de défendre les conquêtes de la classe ouvrière. Il s'interdit par avance d'aider à gagner de nouvelles conquêtes. Il s'interdit par avance
de constituer quelques gouvernements au service de la classe ouvrière et de la démocratie. Un gouvernement de la classe ouvrière et de la démocratie pose un seul problème, la rupture. Il n'y a pas aujourd'hui d'autre issue que de nous rassembler, militants de toutes tendances, pour ouvrir la voie à la rupture. L'appel que la camarade Marie-Luce Mouly vous a invité à signer et qui sera à votre disposition à la fin de ce meeting est l'expression du rassemblement de militants de toutes tendances sur une exigence, la rupture. Le succès du Brexit, c'est le succès du légitime combat des travailleurs, des peuples, des opprimés, des exploités de tout le continent.